projet Curious Story est né de la demande de notre client Arjo Higgins, en fait, pour le relancement de sa gamme Curious Collection. Curious, c'est une gamme de papier qui présente plein de nouvelles couleurs, de nouvelles textures. On a des calques, on a des métalliques, c'est des papiers qui réagissent de manière différente, donc il fallait trouver un type d'impression pour chaque papier. Pour communiquer au mieux sur cette gamme, on avait prévu de réaliser une brochure. On a imaginé différentes écritures, illustratives, typographiques, auquel l'univers photographique pourrait correspondre à l'histoire qu'on était en train de mettre en scène. On est parti sur l'idée d'un conte au départ. On a voulu revisiter des histoires qu'on a eu l'occasion d'entendre ou de lire quand on était enfant. Donc je pensais à Little Nemo. Vous avez le magicien d'Oz, en fait, donc un esprit un peu fantastique. Edouard Alexandre, il faut savoir que c'est un personnage qui a un univers assez fantastique, à la fois très simple, très esthétique, très élégant. Son écriture photographique collait complètement à notre univers. C'est une collaboration qui nous paraissait évidente dès le départ, en fait. On a un peu séquencé toutes ces images-là. Un principe d'un voyage qui se ferait sur plusieurs planètes, enfin voilà, des univers différents que le personnage traverse. Enfin, il y a l'eau, la végétation, la caverne et le vent. C'est-à-dire que l'angle est comme ça et pas angle droit comme ça. Voilà. Okay. Bon, ça, je chipote, hein, mais parce que non, peut-être ça se verra pas. Hein, comme c'est le premier, je demande exprès et après je l'ai fait comme on veut. Ok, ça marche. J'utilise assez souvent du matériel du studio dans mes images que je détourne un peu, et le papier c'est déjà une composante importante en fait des studios photo puisque tous les fonds c'est en général du papier. Et moi ça m'a souvent intéressé de l'utiliser un petit peu différemment. Pour lui, une feuille de papier photographiée d'une certaine manière, ça peut devenir une robe de haute couture. J'ai assez souvent intégrer des éléments du studio dans les prises de vue. Ça peut être des éléments du matériel, un pied d'un flash, des câbles, des choses comme ça. Ça redonne vraiment une idée de l'échelle déjà des installations, et puis ça valide un peu l'installation en tant que création réelle et pas fabriquée en post-production. On a vraiment abordé beaucoup de dimensions différentes du papier. D'une image à l'autre, il n'est jamais utilisé exactement de la même façon. On l'a découpé, froissé ou tendu ou plié sous forme d'origami. En fait, on peut couper beaucoup de matière derrière, quoi, ce que je veux dire. Il a fallu partir d'une échelle petite, hein, et l'amener à une grande échelle. Pour obtenir un origami comme ça qui fait quand même déjà 2 mètres, il faut partir quand même des feuilles de papier qui font quasiment 5 mètres carrés. Qu'on ait vraiment l'impression que c'est le papier du cyclo, il devienne la licorne. En l'occurrence là, le papier, c'est quelque chose qui n'est pas forcément contrôlable totalement. On essaie de jouer avec les contraintes, par exemple sur les confettis. Voilà, on savait que ce serait un jet de confettis, mais c'est plein de surprises. Tu
vois, je trouve ça un petit peu mou. Ok. C'est que j'ai trouvé un peu gros quand même, hein, les contrepieds. Ouais. Le tableau, si vous voulez, qui se passe dans l'eau, où on imagine que le mannequin tombe dans l'eau et remonte à la surface. Et on va dire à notre client, on va utiliser un canon à confetti pour retransmettre l'idée de bulle d'eau et la jeune fille sera accrochée en harnais, suspendue en l'air. C'est vrai qu'il faut, il faut un petit peu d'imagination, puis il faut trouver le bon matériel. Donc un canon à confetti, air comprimé, clairement, on l'a jamais utilisé ça en studio. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ouais. Donc il y a une certaine appréhension. C'est un peu un assemblage de choses, hein. Et puis à un moment donné, ben ça marche. Enfin, on a le meilleur angle, le décor s'intègre bien, tout prend la lumière. Enfin bon, c'est la magie s'opère, quoi. J'ai vraiment eu conscience finalement de faire vraiment un travail artistique et pas d'art appliqué. C'est un projet qu'on a rarement la possibilité de réaliser. C'est-à-dire, on n'est pas dans une démarche publicitaire strictement parlée.